Venez. Musique dans Zelda, mon dieu. Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils. Le village de Cocorico est le lieu du repos éternel de notre lignée. Que mon mari, le roi Zora, repose aussi ici, et son esprit dort en ces lieux paisibles. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est sans doute un signe du destin. Ce que je vous avais promis se trouve dans cette sépulture. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée au héros afin que celui-ci puisse bénéficier de nos pouvoirs. L'armure Zora ? Vous obtenez la tenue Zora, une tenue au pouvoir étrange, relique ancestrale de la famille royale des Zora. Revêtez-la et nagez comme un poisson. Attention, elle vous rend très sensible aux dégâts de feu et de la glace. Il est temps pour moi de rejoindre mon roi dans son sommeil sans fin. Néanmoins, mon fils ignore encore tout de mon sort. Si vous deviez le rencontrer, faites-lui part de ce message. Dites-lui de ne point pleurer le trépas de sa mère. Il doit être un roi bon et courageux pour guider notre peuple. Et dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son cœur. Tu as trouvé tous tes amis, tu as même obtenu la tunique des auras, tu dois être content. Par contre, tu as oublié quelque chose de très important. Le dernier cristal d'ombre. Souviens-toi de ce que disait Firon, l'esprit de la lumière. Sache que tu auras besoin des cristaux d'ombre pour libérer ce monde de Xanto, le roi des ombres. Si tu choisis de rester maintenant auprès de tes amis, tôt ou tard, tout recommencera. Allons chercher ce dernier cristal. Rends-toi au temple qui dort dans les abysses du lac Ilia. Oh la dégaine! Je me rappelais même plus la dégaine, mon dieu. Je vais aller chercher les bombes d'eau tant que je suis là. Vous obtenez un rubis jaune. Un rubis jaune vous dit rubis vert. Parfait. J'ai cramé, bombe. Ah salut, je t'attendais. Matin peu ça, j'ai finalement mis au point mes hydrobombes. Pat, c'est beauté, elles explosent même solo, je suis génial. T'en veux, je suis sûr que tu pourras plus t'en passer. Vas-y, jette un oeil sur mes bombes de fabrication. Sur mes bombes fabrication maison, de rabijoux. Les 10 bombes sont à 30 rubis, les 20 à 60 et les 30 à 90. Alors, ok ça roule, je les range bien au chaud dans ton sac de bombes. L'eau de 5, 30 rubis utilisables sous l'eau vendue par l'eau de 5. Ah, je vois que ton sac de bombes contient un autre type de bombes. Au comptoir d'à côté, je te rachèterai les bombes dont tu ne veux plus. D'accord, j'ai le droit qu'il y a un seul type de bombe. Tu vas H24 et 7 jours sur 7. Alors reviens quand tu veux. Là, c'est peut-être un peu con par contre d'avoir accès qu'à une seule bombe.
Ah mais attends, il me faut les bombes. Il va me falloir les bombes d'eau pour le temple Zora. Bonjour, bienvenue au comptoir des rachats. Vous avez des bombes à revendre, puis je regardais dans votre sac, je reprends 30 bombes de ce modèle bombe 45. Ça vaut combien de-t-il? On appelle ça de l'arnaque dans le milieu. Je pense que 15 bombes, ça devrait le faire. Cette merde. J'ai l'air que ce soir pour un moment, je sais pas si t'auras fini. Le mot de battre ce soir. T'inquiète, Nako. Repose-toi. Ouais, sauf qu'en faisant ça, je suis en train de faire un sale détour. Du, du, du.
Et... Oh! Allô? Oh la vache! On va se marrer. Alors, on va voir maintenant comment ça se présente. De cette pierre se trouve un territoire qui nous est sacré, autrefois appelé le temple Zora. Malheureusement, le temple est maintenant envahi de monstres. En ces temps troublés, tout ce que nous avons pu faire, c'est bloquer l'entrée afin de les y enfermer. Pas fou, j'avais bien vu. Sire, vous portez la tenue du héros dont parle la légende de mon peuple. Se pourrait-il que vous soyez? Et rencontre fortuite, il se trouve que je suis un artisan en explosif. Veuillez me pardonner, mais auriez-vous
Connaissance des hydrobombes. Oui, j'en ai sûr, moi. Ce sont des objets ô combien dangereux, mais je pense que vous saurez en faire un usage approprié. Si cela vous convient, je demande la modestique somme de 90 rubis pour ces quelques hydrobombes. Cela vous sied-il? Vous venez à tomber à court des hydrobombes, n'hésitez surtout pas à faire un nouveau appel à mon ser à notre service, à mes services. Ouais, mais je les utilise comment? As-tu remarqué ces bulles qui s'élèvent depuis le temple abyssal? N'approche pas, c'est dangereux, le courant est très fort, il emporte tout vers la surface. M'en branle! Moi je veux accéder au temple, bande de schnouf! Avec la tenue que t'a donnée la reine Zora, tu n'auras aucun problème à atteindre le fond du lac. Ça n'a pas été facile, mais le dernier cristal est enfin à portée de main ou de pattes au choix. Notre prochain objectif est le temple abyssal au fond du lac, il a c'est toi que tu viens préparer avant d'y aller. Comme si j'y étais. Ah putain, fallait comprendre! Ah, je me rappelais plus de ça! Je me rappelais plus de cette merde, moi! Alors, apparemment, j'ai pas le droit d'utiliser mon épée. Nous y voilà. Ok. Oh, c'est dangereux ici. Eh, tu ne crois pas qu'il serait plus prudent de faire tomber la lactite d'abord? Ils n'ont pas l'air très solides, je suis sûr qu'un bon choc devrait les faire s'écraser au sol.
Aïe. Ça, je suis pas contre. Ah, nickel. Ah, ça fait plaisir. Ok. Ça, c'est un lézard fausse, non? Oh! Non, c'était même pas un lézard fausse. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Là, il y a un truc à faire avec de la flotte. Des flèches, ça m'arrange. Combien de flèches? 30? Faut pas en avoir plus? Aïe, aïe, même pas le droit de faire des roulades dans les escaliers, c'est quoi ça? Aïe. Ah, il me faut une clé ici. Ok. Ah bah tiens, t'es là toi. Ah, ça va mieux. Enfin, il va. Oh, c'est toi? Bien contente de te revoir. Quel destin nous a de nouveau réunis pendant la route ensemble. Je suis, si tu veux sortir d'ici, pas le moins quand tu veux. Vous vous retrouvez Baba. Cette sympathique dame vous téléporte hors du donjon et peut vous y ramener. Assignez-la à B sur l'écran dans un fond noir. Baba, mon dieu, quelle horreur. Ah, attends. J'ai tenté. Moi je dis ça se tentait.
me suis légèrement brisé les jambes. Ah, par contre, c'est archi pixelisé pour moi, c'est immonde. Aïe. J'ai raté un truc ou quoi? Y a un détail que j'ai pas là. Là, c'est là où je dois aller, on est jusque là, on est d'accord. L'impression qu'ici me manque un item. J'ai l'impression qu'il me manque un item en fait. J'ai raté.
Oui, j'ai vu le coffre. Qu'est-ce que j'ai raté, bordel? Ça se trouve, je devais même pas venir là direct. Immense ce temps, je sens que trouver cette clé ne va pas être une partie de plaisir. S'il te plaît, fais-moi plaisir, évite de te perdre. Merci Midana pour les astuces qui sont totalement useless, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois aller à la porte avec la clé. Le problème, c'est que... Ah, où est la clé? Il y a un détail qui m'échappe. Qu'est-ce que j'ai raté comme détail? Je suis sûr que c'est un détail à la con en plus.